Coucou les enfants! Alors, après le rituel de la date, on continue avec l'écriture de la date. Quel jour sommes-nous, Lou? Ok, nous sommes jeudi 18 juin et nous allons l'écrire. Vous êtes prêts? Alors, on y va! Donc, le mot jeudi, avec les lettres bâton, les lettres capitales. D'abord, la lettre J, c'est la canne de parapluie qui descend. Le trait vertical qui descend et les trois traits horizontaux. Le U, le pont à l'envers qui descend et qui remonte. Le D, le trait vertical qui descend et le gros ventre. Le I, le trait vertical qui descend. Donc là, pour chaque lettre, on commence en haut. 18. Alors, j'entends 10 et j'entends 8. Parce que 18, c'est 10. Plus 8, un paquet de 10, c'est pour ça qu'on a mis 1. Et on rajoute 8, c'est pour ça qu'on a mis 8. Et ça se dit bien 18. Alors, pour écrire 18, on part du petit trait ici, du petit point ici, on fait le trait penché qui monte et le trait vertical qui descend. Alors, le 8, c'est difficile. Il faut d'abord faire un S. Je vais le faire, tiens. Donc, on part en arrière. Et au milieu, on change de sens. Et quand on arrive en bas, on remonte pour fermer au milieu le premier rond. Et on ferme en haut pour fermer le deuxième rond. Le 8 est difficile à faire. Je compte sur vous pour vous appliquer. Le mois de juin qu'on a l'habitude d'écrire maintenant, qui commence par, comme je dis, par la lettre J. Donc la canne de parapluie qui descend. Ensuite, il y a le U, le pont à l'envers. Le I, le trait vertical qui descend. Et le N qui commence en bas et on suit le chemin, on monte. On descend et on remonte. Voilà, donc on écrit en repassant sur les pointillés et sur les lettres creuses. L'écriture en attaché, on repère d'abord dans le mot jeudi où on va lever le stylo. Et pour ça, on cherche les lettres rondes. En voilà une ici, donc on va lever le stylo juste avant le D. Et on va enchaîner le J, la boucle du E, les deux cannes de parapluie du U. Et ensuite, on lèvera le stylo pour le poser sur l'herbe, puisque le dé, on commence à l'herbe pour faire le rond, le fermer, on redescend et on enchaîne avec le I. Allons-y pour jeudi. On commence à la ligne violette, le trait penché qui monte jusqu'à l'herbe, le trait vertical qui descend jusqu'à la terre. Je remonte jusqu'à la ligne violette où je croise et là, j'enchaîne avec le E. Donc, je remonte, alors je ne vais pas remonter tout droit parce que je ne peux pas, mais je vais remonter en faisant un trait penché jusqu'à l'herbe. Et quand j'arrive à l'herbe, je fais demi-tour pour faire la boucle du E. Je pose la canne et j'enchaîne avec le U. Donc je remonte jusqu'à l'herbe, je redescends par le même chemin pour faire la première canne. Je remonte jusqu'à l'herbe et je redescends par le même chemin pour faire la deuxième canne du U. Et là, je lève le stylo puisque je dois ensuite écrire le D. J'en profite pour faire le point sur le J. Je pose mon stylo sur l'herbe et j'enchaîne avec le D. Donc, je fais le rond que j'accroche à la canne de parapluie. Je le pose, je le ferme. Je remonte jusqu'à la ligne du soleil. Je redescends par le même chemin pour poser la canne et j'enchaîne avec le I. Donc, je remonte jusqu'à l'herbe et je redescends par le même chemin pour poser la canne de parapluie du I. Je termine avec le point sur le I. Pour écrire 18, on va d'abord écrire le 1, on part de l'herbe, le trait penché qui monte jusqu'à la ligne du soleil, le trait vertical qui descend jusqu'à la ligne violette. Le 8, on part de la ligne du soleil et on fait d'abord un S. Donc, on commence à faire un rond jusqu'à l'herbe, stop, on va dans l'autre sens pour faire un autre rond qu'on pose sur la ligne violette, on ferme au niveau de l'herbe et on remonte pour fermer le deuxième rond. Voilà, 18. Il nous reste à écrire juin sans lever le stylo puisqu'il n'y a pas de lettre ronde, donc on enchaîne les quatre lettres, le J, le U, le I et le N. Alors, le J. Je pars de la ligne, comme pour le J de jeudi, de la ligne du violette. Je fais le trait penché jusqu'à l'herbe. Je descends jusqu'à la terre. Je remonte pour croiser la boucle à la ligne violette. J'enchaîne avec le U. Donc là, je vais faire un trait penché jusqu'à l'herbe pour ensuite enchaîner avec la première canne de parapluie du U et la deuxième canne de parapluie du U.
J'enchaîne avec le i, donc je remonte jusqu'à l'herbe et je redescends par le même chemin pour poser la canne de parapluie du i. Et il me reste à remonter jusqu'à l'herbe pour faire un pont, deux ponts, donc les deux ponts du n plus la canne de parapluie. Je termine avec le point sur le j et le point sur le i. Voilà, la date est écrite en attaché, jeudi 18 juin. Il vous reste à entourer les lettres de jeudi, entourer le mot jeudi en détaché, en attaché et compter le nombre de lettres du mot jeudi. Avec Lou, on espère que tout va bien pour vous à la maison. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à demain. Au revoir.